أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonne frère et bonne soeur qui n'a iman, nous toujours avec nos explications concernant nos croyances de Jannah. Et le point qui est avec nous aujourd'hui, Inch'Allah, c'est un point qui est bien important. Un point qui nous capable de faire une longue élaboration là. Et c'est un point qui les demande beaucoup à réfléchir. Nos pécoses concernant nous amène iman qui nous besoin faire des efforts pour qui nous gagne Jannah. Étant ben musulman et ben musulmane, nous qui peut vivre la terre Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas possible qu'il jour et nuit peut passer dans nous la vie, nous simplement peut travailler pour dunia. Nous ben l'intention, nous ben l'ambition, nous ben les efforts qui nous peut faire, les is pour acquérir dunia, mais à aucun moment mon pas gagne tracas, est-ce que moi celui qui m'a peut faire les efforts pour qui m'a gagne akhirat, ou bien mon mérite jannah de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi nous dire l'important l'eau nous-mêmes, étant ben qui nous amène iman dans Allah subhanahu wa ta'ala et dans le jour dernier, pour qu'il nous apprenne concernant le jour du Qiyama, nous apprenne concernant Jannah, nous apprenne concernant l'enfer, afin qu'il nous vienne parmi ben qui nous vive avec sa conscience à l'eau dunia, mobiliser vers efforts l'eau dunia, mobiliser travail, mobiliser faire sacrifice dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il nous vienne celui qui mérite Jannah de la part de mon créateur. Et là, nous posons nous-mêmes une question, chacun parmi nous, comment me comporte-moi l'eau salatée là, étant un insan, étant un qui est un iman, pour qui vraiment me mérite Jannah? Est-ce que dans mon vie, ben action qui me faire, ben parole qui me faire, li par rapport à satisfaction Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il me celui qui me facilite mon chemin vers Jannah, et me sauve moi-même depuis j'y fais l'enfer. Beaucoup parmi les gens, quand nous causons concernant, nous résumons la vie plutôt, un démon y a l'espoir pour qu'il devienne riche. Et un démon y a l'espoir pour qu'il gagne grand place travail, les pouvins un docteur, les pouvins par ci par là. Démon y a tout qualité l'espoir et tout qualité l'ambition, mais seulement quand nous causons concernant sa ban démon là, zut l'ambition l'au akhirat ou bien l'au jannah, bien peu de ban démon zut pour capable répondre avec certaines ban l'intention qui claire. De là, nous cite un hadith de notre Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qu'on lui dit dans Sunan al-Tirmidhi, « Ma ra'aytu mithla an-nar nama haribuha » Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui dit, « Mon pafin trouve celui qui lui envie sauver depuis dix fait l'enfer qui lui pédomi, « Wala mithla al-jannati nama talibuha » Pareil comme ça même celui qui lui peut envie janna, sa jimun la lui pédomi. Un hadith qui est clair et qui est bien simple pour comprendre. Un jimun, lui envie sauver depuis dix fait l'enfer, li pas supposé pe amène en la vie comme si à la légère, li pe dormi, li pa pe prend compte. Pareil comme ça même, pour celui qui vraiment li a soifé, pour qu'il gagne Jannah, sa dimon là, li pas supposé pe dormi, li aussi pareil, li supposé pe faire des efforts, li supposé pe travail, li supposé pe faire sacrifice pour gagner Jannah de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. De là nous dire, est-ce qu'il nous pensait, li autant simple ou bien li autant facile pour que un jimon li gagne Jannah de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous y a beaucoup jimon qui peut vivre dans sa dunya là, musulmans et non musulmans, pratiquants et non pratiquants. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala li fin réserve un joli Jannah, un joli place pareil pour tout jimon dans même façon? Définitivement non, c'est celui qui lui peut faire plus d'efforts pour qu'il gagne sa Jannah là, c'est sa jimun là qui Allah subhanahu wa ta'ala pour donner sa cadeau là avec facilité le jour du Qiyam. Quand il peut gagner avec facilité, quand il fin réaliser sa cadeau là, Jannah c'est une petite chose qui lui chère et qui un jimun vraiment lui besoin faire sacrifice pour qu'il gagne Jannah.
رسول صلى الله عليه وسلم لجية ألا إن سلعة الله غالية Certainement, l'article d'Allah, l'ishir, l'article d'Allah, peut faire référence à Jannah. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui expliquait dans le hadith à l'idée, « Ala inna sil'at Allah il Jannah, certainement l'article d'Allah, c'est Jannah. » Alors, si nous vivons parmi ben qui vraiment nous mérite Jannah, reconnaît qu'il sa Jannah là, l'iena grand valeur et l'ishir, alors nous bisons faire beaucoup d'efforts, nous bisons faire sacrifices, sacrifice l'odonia afin qu'il nous gagne récompense comme Jannah, une place qui est éternelle et n'a beaucoup de faveur là-dedans et qui là-bas nous pourrions un repos éternel par rapport à ces efforts qui nous font faire l'odonia. Allah subhanahu wa ta'ala li dit dans sourate Az-Zumar fa ni'ama ajru al-'amilin kuma janna c'est une meilleure récompense pour ben qui zot fin fait ben bon action. Allah azza wa jalla aussi dit dans sourate At-Tawba inna Allah ishtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna c'est ma Allah subhanahu wa ta'ala li fin acheté avec ben mu'min, zut l'écho et zut richesse, afin qu'il s'abonne là, zut gagne Jannah en retour. Donc, la transaction l'identique façon, mon frère et mon soeur en islam, faudrait qu'il m'a fait mettre mon richesse, et m'a fait mettre mon l'écho au complet, dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'obéissance, Allah azza wa jal, dans sa façon là, un djimon l'est capable de dire, l'est peut vraiment travailler, l'est peut faire des efforts, et l'est peut faire sacrifice, pour qui les mérites Jannah auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous gagnons aussi hadith de Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui résume un peu la vie d'un musulman quand il dit « Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir »« Dunya li le prison de ban mu'min et li jannah de ban kafir » C'est la vie qui m'a permis au sa dunya là, m'a trouvé li des fois difficile, m'a fait besoin faire sacrifice, m'a fait besoin faire beaucoup d'efforts aussi comme ça même qu'il y était. Et, en ce qui concerne ban koufar, zot peut jouir tout qualité, ban plaisir, etc. le dunya, parce que pour zot, c'est ça qui zot jannah. Et moi, mon jannah, c'est quoi ça? Sa vraie jannah qui Allah subhanahu wa ta'ala, les fin réservé, si mon peut trouve dunya comme une prison, prends patience, l'eau-là, mon continue faire des efforts afin qu'il mérite jannah de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu azza wa jal, لجية ده سورة البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم Est-ce qu'ils ont pensé qu'ils ont pu rendre de Jannah comme ça même autant facilement et que Allah subhanahu wa ta'ala li pas pour faire ban épreuve avec zot pareil comme li fin fait avec ban qui avant zot massathum al ba'sa wa ad-dara wa zulzilu ban qui fin fin avant nous zot finé la pauvreté zot finé la maladie zot finé la même ban secousse ou bien ban tremblement hatta yaqul ar-rasul wal ladhina آمنوا معه متى نصر الله jusqu'à même qui ban messager qui parmi ban là et ban qui fin amen iman zot chipe dire متى نصر الله quand le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala li pou vini sa ayat Quran la montre nous ban qui fin vin avant nous zot fin bizin fait sacrifice zot fin bizin prend patience zot fin bizin tinifiyam et persévérer l'audin Allah subhanahu wa ta'ala pour que Allah Azza wa Jal fait zut vin parmi banki, zut mérite Jannah. Allah Azza wa Jal li aussi dit dans Sura Ali Imran, Am hasibtum an tadkhulu al-Jannah, wa lamma ya'lami Allahu alladhina jahadu minkum, wa ya'lama as-sabirin. Est-ce qu'ils ont pensé qu'ils ont pour rendre de Jannah comme ça même autant facilement, et qui Allah subhanahu wa ta'ala li pas connaît qui s'en l'a parmi zot li peut lutter, ou bien qui s'en l'a parmi zot li peut plus faire des efforts pour qui li gagne Jannah, ou bien qui s'en l'a parmi zot li peut plus prendre patience. Donc, nous bisons faire des efforts, comme si nous bisons laguer, nous bisons lutter, nous bisons prendre patience, l'odonia, afin qu'il nous vienne parmi ben qui nous mérite Jannah de la part d'Allah subhanahu wa
ta'ala nous termine par parole d'un de mes grands tabi'i qui appelle Wahb ibn Munabbih et lui dit « Wa laysa lil mu'minina rahatun duna dukhulil jannah » pas un repos pour ben mu'min aussi longtemps qu'ils ont pas rentré de jannah. Donc, le parcours de mon la vie au complet mon pas pour un repos autant aussi longtemps qui le jour du qiyama mon gain sa nouvelle qui m'opérant de jannah là mon bizet continue travail continue faire des efforts continue prend patience continue tinifer l'obéissance Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il m'ouvre parmi ban qui mon mérite jannah wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.